Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau live en direct de la chaîne YouTube Guide de la Voyance. Cette soirée sera dédiée une nouvelle fois à la voyance, mais avec une approche différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Nous aurons l'occasion d'accueillir une invitée exceptionnelle qui partagera son expérience sur le monde mystérieux de la voyance. Et au cours de cette émission, elle abordera des sujets tels que les pratiques, les dérives, et surtout, elle vous donnera une multitude de conseils pour reconnaître un bon voyant. De plus, notre invitée de ce soir a récemment déposé une question à l'Assemblée nationale par le biais d'un député pour réglementer l'activité de voyance en France. Elle partagera avec nous les enjeux liés à cette profession si passionnante et décriée parfois. Elle se définit comme tarologue voyante, sans plus attendre. Et si on en parlait avec Kalissa. Kalissa, bonsoir. Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous. Alors, vous êtes de Besançon. Tout à fait, oui, dans l'Est. Et donc, vous essayez de remettre de l'ordre dans ce monde de la voyance en faisant appel à un député qui est dans votre région. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais j'aimerais savoir comment vous êtes venu à la voyance, au tarot. Alors, tout d'abord, je n'essaye pas de remettre de l'ordre. J'alerte sur un sujet. Je suis voyante, je vois un problème, j'en parle et je n'ai aucune prétention que ce soit moi qui remette de l'ordre là-dedans. Comment j'en suis venue au tarot de Marseille? C'est simple, j'ai fait une rencontre quand j'avais 17 ans. Une femme qui utilisait les 22 arcanes du tarot de Marseille, qui faisait de la voyance, qui était aussi médium. Et j'ai fait cette rencontre finalement qui a un peu changé ma vie, je ne le savais pas à ce moment-là, qui m'a donc montré comment elle se servait des arcanes. Alors, elle faisait que les 22 arcanes du tarot de Marseille. Ouais. Donc, aujourd'hui, si je me définis comme tarologue, les tarologues ne vont pas être contents parce que je n'utilise pas les arcanes mineures. J'associe le tarot de Marseille avec la numérologie qui n'est pas non plus celle des numérologues. Je fais un petit peu les choses à ma sauce. Je suis comme ça. Et c'est vrai que donc, j'ai commencé à 17 ans à apprendre avec cette femme. À un moment donné, nos chemins se sont séparés. Et je faisais ça pour des amis. Je n'avais pas du tout dans l'idée d'être voyante professionnelle. Pour moi, d'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait être voyante professionnelle. Et pendant peut-être une dizaine d'années, je faisais comme ça, un peu à droite, à gauche. Et à un moment donné, les événements de la vie faisant, c'est ma passion aussi, c'était ma passion, et j'ai décidé d'en faire un métier et que ce soit mon travail. Même si aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal avec ça, en fait, à comprendre que ça peut être un vrai métier. Ok, effectivement. Est-ce qu'on parle de dons ou pas? Moi, je ne parle pas de dons. J'aime beaucoup parler de capacité, en fait. Et puis d'abord, c'est quoi un don? Si on regarde le mot don dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc souvent, il y en a qui vont dire que c'est inné. Et puis aussi, avoir un don, c'est être doué pour quelque chose. Donc moi, je préfère parler de capacité parce que j'ai toujours eu
depuis petite énormément de ressentis sur les gens. J'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires. Donc, est-ce que c'était ça mon don? Je ne sais pas, mais je préfère parler de capacité, d'intuition qui se développe. Si, par exemple, on va apprendre des cartes, si, par exemple, on va faire un peu plus de méditation. Je préfère parler de capacité que de don. Même s'il y a des gens qui sont extrêmement doués, et là, oui, on peut dire que c'est un don peut-être, effectivement. Et donc, on peut développer par le tarot. Alors, vous avez utilisé le tarot de Marseille uniquement ou des oracles éventuellement? Alors, les oracles, en fait, je fais oui un petit atelier sur les oracles pour voilà une petite méthodologie de tirage. Alors, je pense que effectivement le fait de travailler des cartes, ça peut nous aider à travailler l'intuition, mais ça dépend comment on va travailler les cartes. Par exemple, les oracles que je ne critique absolument pas, attention, mais vous avez une carte, un nom dessus, et finalement, bah, la carte de l'amour, bon, on sait que ça va parler d'amour. Tandis que le tarot de Marseille, surtout les 22 arcanes du majeur du tarot, ce sont plus des symboles, hein. Vous avez la carte de la tempérance avec le chiffre 14. Finalement, ça parle pas vraiment, hein. Une carte du tarot de Marseille, elle va avoir des milliers d'interprétations, enfin, peut-être pas des milliers, mais plusieurs interprétations possibles, en positif, en négatif, selon que ce soit le travail, l'amour, etc. Et du coup, plus moins on travaille avec des informations, plus on va faire appel à son intuition. Donc effectivement, en travaillant un outil qui nous aide comme support, oui, on va pouvoir développer son intuition. Est-ce que c'est développer son don de voyance? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'à force de créer un langage avec son tarot de Marseille, c'est un petit peu comme ça que j'aime le dire, eh bien effectivement, on va être capable de percevoir des choses. Moi, j'aime beaucoup travailler en fait sans questions précises, avec le moins d'informations sur la personne, pas parce que j'ai le besoin de prouver aux gens que je vois des choses, mais parce que moi, ça me tient vraiment à cœur d'être sûr, avant de donner une réponse à quelqu'un, que je suis sur la personne. Donc moi, je veux uniquement le prénom, la date de naissance, je dis ce que je vois sur la personne, sur plusieurs domaines, et si la personne me dit effectivement, donc c'est plutôt sur le présent, oui, effectivement, tout ce que vous me dites, ça me parle, je sais que je suis connectée à cette personne, donc au niveau de la voyance, je sais que je vais pouvoir mieux capter et anticiper son avenir. Très Donc bien. c'est dans ce sens-là qu'on peut mieux travailler, je pense, son intuition. Alors, sur votre site, vous proposez eh bien, des ateliers de tarot. Tout Donc, à ça veut fait. dire que tout le monde peut apprendre le tarot. Est-ce qu'il y a des prérequis pour apprendre le tarot ou pas? Alors, déjà, je fais bien la différence entre ce qu'on va appeler la cartomancie de nos jours, l'interprétation des cartes, la taromancie, la tarologie, c'est de l'interprétation du tarot de Marseille. Donc, est-ce qu'il y a des prérequis pour s'acheter un jeu? La preuve que non, hein, puisque le rayon oracle et jeux de divination aujourd'hui dans les magasins de culturels, et ils ont triplé, quintuplé de volume. Oui, c'est Donc, impressionnant, oui. ouais, c'est impressionnant. Je ne pense pas qu'il faille des prérogatives pour lire un livret et dire, bah tiens, cette carte, elle parle de ça. Non. Ce que je trouve intéressant dans les ateliers, c'est qu'il y a une notion de partage. Aujourd'hui, la voyance, c'est vrai que les gens sont beaucoup, beaucoup en attente du voyant, qu'ils tiennent absolument à lui dire ce qui va se passer dans son avenir. Surtout, il y a des personnes qui attendent même du voyant de faire des choix à leur place. Et ça, je trouve que ce n'est pas du tout la bonne façon d'utiliser la voyance. Je pense donc qu'il est préférable que oui, il y ait des personnes qui s'intéressent à la divination pour eux-mêmes, par eux-mêmes, parce que qui mieux que soi-même peut créer et anticiper son avenir. Donc c'est vrai que ces ateliers, c'est des ateliers en collectif. Et en fait, on est vraiment sur un partage. Donc les gens, ils ont des réponses à leurs questions, mais en même temps, ils apprennent à se servir de cet outil-là. Et du coup, surtout quand on fait de la voyance pour soi-même, on apprend à se poser les bonnes questions pour son avenir. Et le fait de travailler, d'apprendre des cartes, d'apprendre à se poser les bonnes questions, bah finalement, on travaille sur nous-mêmes. Et je trouve que la voyance dans le partage, c'est quelque chose de magnifique, en fait. Donc, c'est des ateliers qui se font à distance, en visio, Tout c'est à ça? fait, tout à fait. Génération du 21e siècle oblige. Tout le monde ne va pas à Besançon non plus. Aussi.
Donc, c'est sûr, ça s'appelle formavoyance.com, c'est ça? .com, c'est ça, tout Voilà. à fait. Donc, Formation et voyance. voilà, donc le site est en description, effectivement, de la vidéo. Alors, il y a une personne qui a envoyé un message intéressant. Les 22 tarots sont sympas, mais pas assez parlants pour moi. Mon jeu fétiche, c'est le Béline. Qu'est-ce Eh que oui. vous répondez à cela? Bah, je Les réponds gens que ont beaucoup de mal parfois avec le tarot. Ils disent, oh, le tarot, c'est c'est difficile en compliqué. fait. Mais ils C'est n'ont pas ça. compris, je pense, la structure du tarot. Parce qu'il faut comprendre la structure du tarot, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, moi, je vais répondre à cette dame que le Béline, j'y arrive pas, par exemple. Ouais. Hein. Je me suis intéressée au Béline, Il est très je joli, l'ai d'ailleurs, hein. oui, Mais pour moi, je le trouve trop compliqué. Il y a trop de cartes, voilà. ouais. Alors, effectivement, le tarot de Marseille, parce que cette femme, elle m'a appris les choses, mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai lu des livres aussi hein, dessus. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que souvent, quand on apprend le tarot, les gens compliquent. C'est-à-dire, vous avez les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers, les inversées, les axes axiales, perpendiculaires, je ne sais quoi. Et en fait, je pense qu'un outil divinatoire, il doit être basé sur l'intuition. Qu'est-ce que cette carte vous dit? Voilà. Souvent, on me le dit. On me le dit, mais pour moi, le tarot de Marseille, c'est trop compliqué. Alors, j'ai envie de dire, le tarot de Marseille, déjà, c'est la base pour moi. Je suis pro-tarot de Marseille. Si vous savez lire un tarot, vous savez lire toutes les cartes. C'est une opinion personnelle, attention. Donc, je pense que cette personne n'a pas eu la méthode simple de Calissa pour apprendre le tarot et c'est pour ça qu'elle le trouve compliqué. Alors, on a Lucetta qui nous dit j'ai un tarot de Marseille, mais je ne sais pas l'interpréter. Bien, allez sur le site formavoyance.com et vous aurez peut-être des informations pour apprendre à vous débrouiller un petit peu avec le tarot et surtout de comprendre la structure. Et puis après, il y a plein de choses sur Internet. Et effectivement, il existe beaucoup, beaucoup de livres. Alors, je sais que moi, Bien je sûr. lis beaucoup de choses sur le tarot. Toujours aujourd'hui, j'ai lu bon nombre de livres et tout ce qui sort, je regarde. On en apprend toujours, en fait, parce qu'il y a Oui, bien la sûr. façon de présenter le tarot et que c'est comme c'est un jeu qui n'a pas vraiment d'auteur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur ce tarot et donc c'est beaucoup d'informations intéressantes. Voilà, même si on C'est dit ça. que certaines personnes ont du mal avec ce jeu. Mais en fait, le Béline est super sympa aussi, c'est un très Ah bon oui. jeu. Voilà, même moi je ne pratique pas non plus parce que j'ai pas adhéré à ce. De mémoire, je crois que le Béline, il y a aussi une notion un peu astrologique, hein, il me semble Aussi aussi. des cartes Ouais. astrologiques, effectivement, voilà. Après, moi, je dis vraiment, c'est quelque chose de très, très intuitif, le tarot de Marseille. C'est-à-dire que moi, la carte du pendu, par exemple, elle va me parler, elle va me donner une certaine interprétation, et d'autres personnes, non, ça va être une autre interprétation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait de créer un contact. Mais je pense d'ailleurs que c'est avec tous les jeux, d'ailleurs, de divination. Il faut vraiment trouver cette communication, et pour ça, il faut le travailler. Alors, je vous donne un conseil à toutes les personnes qui veulent, qui démarrent dans les cartes, d'ailleurs, que ce soit à Tarot de Marseille ou Oracle. Au début, il ne faut pas chercher à voir. C'est très bête ce que je dis, mais au début, il ne faut pas chercher à voir. Au début, on s'entraîne. Au début, on va faire des petites questions pour soi-même. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? On note les choses et on revient le lendemain. Donc, on donne son impression quand on fait son tirage. On note les impressions et 2 jours après, on y retourne. Donc, j'avais ressenti ça. Il s'est passé ça. Si c'est pareil, c'est qu'on commence à avoir un langage avec. Bah, si c'est pas pareil, ah tiens, ces 2 cartes-là, en fait, elles me disaient ça. C'est ça, c'est vraiment le fait de travailler. Il ne faut pas chercher à voir tout de suite. Dans un premier temps, il faut s'imprégner. Vous avez raison de dire qu'il faut travailler parce que c'est pas, il suffit d'ouvrir la boîte et d'étaler le jeu et que ça se fait tout de suite. C'est C'est ça. comme beaucoup de choses. Il faut un peu de pratique, un peu d'expérience. Et voilà, et c'est pas parce que vous allez avoir le jeu entre les mains que tout de suite ça va vous parler. Il faut un peu de temps pour décoder ce jeu. Et dès l'instant, vous avez compris un petit peu certaines subtilités. Et puis, comme je disais, la structure du tarot, eh bien, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Alors, C'est ça. il y a une phrase intéressante qui est en tête de votre site. Je la lis. La voyance n'est pas un jeu qui, mieux de vous, peut anticiper votre avenir. Méfiez-vous des arnaques et attention à l'addiction. Vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez dire? Qui mieux que vous peut anticiper son avenir? Bien, je pense que aujourd'hui, on est maître de sa vie. Ça rejoint un petit peu la notion d'addiction, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, enfin,
les voyants, on travaille avec des personnes qui ont parfois des fragilités. Alors, beaucoup de personnes qui ont des questionnements, mais aujourd'hui, le côté addiction à la voyance, c'est quelque chose qui existe. Et je tiens vraiment à faire comprendre aux personnes que d'aller voir quelqu'un qui va voir votre avenir, déjà, on n'a jamais 100% de réussite. Donc, c'est vous qui allez pouvoir, si par exemple, moi, je vois, je ne sais pas, que vous allez rater un examen, par exemple, mais si vous travaillez, si vous vous mettez vraiment à fond, eh bien, vous allez pouvoir avoir cet examen. Moi, j'ai eu le problème, entre guillemets, dans le sens inverse, où je voyais que la personne n'allait pas réussir son examen, et elle m'a rappelé quelque temps après, elle m'a dit, j'ai eu mon examen. Et elle m'a dit, mais en fait, si vous, j'avais pas eu cette prédiction-là, finalement, je ne serais pas relancée dans mes cours, j'aurais pas travaillé autant. Donc, c'est pour ça, on agit, en fait, sur son avenir, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais oui, peu importe ce qu'on voit sur vous, les choses peuvent se changer. Après, bon, il y a des notions de destinée, de chemin de vie qui, voilà, qui sont là et on va y arriver plus ou moins vite. Mais voilà, je pense qu'on peut être toujours décisionnaire dans sa vie. Et c'est important qu'on le rappelle, en fait. Le tarot, vous l'utilisez d'une manière prédictive ou de conseil? Je ne fais pas de conseils, je suis voyante, je vois les choses. D'accord. Parce que Voilà. souvent, il y a des gens qui utilisent le tarot d'une manière Intuitive, comme un conseil. conseiller, en fait. Alors oui, alors je commence à voir ça, beaucoup de gens qui sont tarothérapeutes, cartothérapeutes. Voilà, alors ce côté conseil, justement, je pense qu'il y est quand on apprend et quand on le fait pour soi-même. Voilà, c'est pour ça aussi. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais pour moi, je fais vraiment la différence entre la lecture des cartes pour soi-même et un voyant professionnel. Pour moi, un voyant professionnel, vous ne devez rien lui dire. Il ne doit pas vous poser de questions. Vous ne devez pas lui raconter votre vie. Il doit voir. Pour moi, un voyant, c'est voir l'avenir, le passé, le présent, forcément, mais aussi l'avenir. Et il y a le côté aussi plus dans le développement personnel, mais pour soi-même. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc oui, ça peut être un conseil. Moi, par exemple, dans le milieu de la voyance professionnelle, mes consultants, je les prends une à deux fois par an, c'est-à-dire que je vais pas les prendre tous les 1 mois, tous les 2 mois. Et il y a des personnes qui vont me rappeler, je vais refaire un point. Je leur dis, bah non, écoutez, si les prédictions ne se sont pas passées, ça sert à rien de revenir faire un point. Et justement, c'est aussi pour ça que j'en suis venue à ces ateliers-là. Les gens ont envie de consommer de la voyance et le fait de s'en servir pour soi-même, par soi-même, là oui, il y a un côté conseil, effectivement. Mais je pense qu'il ne doit pas être utilisé comme ça dans un côté professionnel parce que ça peut entraîner des dérives et de l'addiction. Ce sont mes opinions personnelles. Alors, une consultation avec vous, parliez de consultation, ça se passe comment exactement? Quel est le déroulement d'une consultation? Alors, je pense que vous faites des consultations à distance uniquement ou un petit peu en Pas physique? uniquement, je reçois aussi à mon cabinet à Besançon, OK. de moins en moins, mais c'est vrai Donc, que par sinon, téléphone. c'est quoi, par téléphone? Par téléphone, il y en a qui me demandent en visio aussi, donc je le fais. Je fais aussi de la voyance par mail. J'adore la voyance par mail parce que la voyance par mail, ça permet vraiment de ne pas faire de lecture froide. Voilà. Qu'est-ce que la lecture froide? C'est C'est pas plutôt ça faire. la voyance par mail parce qu'il n'y a pas la personne, on n'a pas le contact, on n'a pas. Voilà, comment ça se passe d'ailleurs une voyance par mail? Bah, c'est prénom, date de naissance, le domaine, travail, amour, argent. J'aime pas trop les questions précises parce que. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je préfère être sûre que je suis sur la personne. J'aime pas trop avoir d'infos. Donc, prénom, date de naissance et le domaine. Je fais ma voyance, donc je parle un petit peu de la numérologie. Je fais ma coupe, je dis ce que je vois dans la coupe, dans le tirage. C'est un tirage qui va sur un an et demi, donc je parle sur le domaine. Ensuite, la personne me fait un retour. Et là, à ce moment-là, c'est soit elle me pose une question peut-être un peu plus précise, parce qu'on ne peut pas non plus donner toujours tous les détails, hein, ce n'est pas possible. Et comme ça, la personne, elle voit si je suis dessus. Si elle me dit travail et que je lui dis que bah, elle va signer un contrat ou qu'elle va faire une formation, et que c'est effectivement son questionnement, est-ce que je vais changer de travail? Voilà, elle sait que je suis dessus. Après, on refait un échange, elle me dit bah voilà, je voulais savoir ça. Et je refais, pourquoi pas, un tirage si besoin pour des prédictions. Mais bien souvent, la réponse est déjà dans le premier mail. Je fais aussi la compatibilité amoureuse par mail, donc les deux prénoms, les deux dates de naissance. Et donc, je fais un tirage sur ces deux personnes-là et je dis ce que je vois. Ça peut être des relations amicales, un ex, peu importe. Après, c'est à moi de le voir dans le tirage. Et pour la consultation de voyance par téléphone, bah pareil, prénom, date de naissance. Je fais mon tirage d'ouverture. Je dis ce que je vois dans l'état d'esprit actuel de la personne, les événements à venir.
Je fais une partie sur la santé. Santé plutôt morale, hein. Parfois ça peut arriver qu'on voit des petits soucis, mais c'est quand même assez rare. Mais le côté, voilà, dans sa tête, comment vraiment est la personne, sur le côté professionnel, sur le côté amoureux, et je fais la synthèse de tout ça. Et pareil, là, à ce moment-là, la personne, elle sait si je vois bien sa vie ou pas. Et ensuite, je dis, bon, moi j'ai ce domaine-là qui est compliqué, qui ressort, donc je pars sur ce domaine-là, je fais le domaine, je fais le deuxième domaine si la personne le souhaite. Et après, oui, là, on rentre. C'est très difficile d'ailleurs, hein. Les gens, ils ont tout le temps très envie de me parler. Donc, c'est vrai qu'après, en fin de consultation, bien sûr qu'on peut rentrer dans un travail, entre guillemets, d'écoute. Voilà, oui, je vois que ça va aller, et, bien sûr. Mais dans un premier temps, non, je suis sur de la voyance. Ok, d'abord vous qui Voilà. parlez. C'est ça. Ok. Alors, vous êtes présente sur TikTok. Quel est Oui. votre but en étant présente sur ce réseau? Je crois que vous êtes présente très, très activement sur ce réseau. Alors, qu'est-ce qui se passe sur votre chaîne TikTok? Alors, très active, bon, je ne suis pas non plus tout le temps, mais bon, disons que je dis certaines choses. Bah, moi, en fait, comment je suis arrivée sur TikTok? En fait, j'ai une amie qui m'a envoyé des vidéos qui n'avaient rien à voir avec la voyance. Et puis, à un moment donné, on m'a demandé d'ouvrir un compte. Donc, j'ai ouvert un compte et très vite, en plus, sans que j'aie vraiment liké du contenu voyance, on m'en a proposé. Et là, j'ai vu des choses, enfin, qui me paraissent un petit peu, alors de la petite publicité mensongère entre guillemets, celui qui se dit médium et en fait qui ne fait aucune séance de médiumnité, qui ne fait que des cartes. Bon, c'est pas très grave. Des fois, quand j'exprime ça, on me dit que chacun peut faire un petit peu comme il veut. Bon, oui, à la limite, mais aujourd'hui, le mot médium, il est tellement devenu banalisé Eh que oui, ça fait ça bien. me fait mal, vraiment. Parce que la médiumnité, c'est, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est un don de soi, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. Le mot voyant est très peu présent, hein, sur TikTok. Alors, et j'ai compris pourquoi, parce que souvent, le mot voyant est associé à la charlatanerie, associé aussi au fait que on doit montrer qu'on doit voir. Donc aujourd'hui, ça s'est transformé en guidance, en tout cas sur les réseaux. C'est-à-dire que bah, c'est à mi-chemin entre du coaching et de la voyance, entre guillemets, en tout cas c'est mon ressenti. Bon, jusqu'ici tout va bien tant que les personnes le font dans la bienveillance. Et puis il y a vraiment des gens qui, pour parler poliment, qui se foutent de la tête des autres. La dernière fois j'ai passé un peu un coup de gueule, je ne sais pas si je peux dire ça en live, désolé, mais il y a beaucoup, beaucoup de vidéos où on vous dit arrête-toi, c'est ton guide qui te parle, c'est ton défunt qui te parle. Ton ex t'aime, même s'il est avec une autre, il va revenir à la communication, à la discussion, il t'aime. Et là, vous avez des milliers de likes, des milliers de commentaires où les personnes vous disent, ah oui, j'attire positivement. Et je me dis, mais c'est pas possible. Les gens qui font ces vidéos-là, peut-être qu'ils le font pas dans un mauvais sens, hein, très certainement, mais ils ne se rendent pas compte que ça peut avoir un impact psychologique dans la vie des gens. Et ça, je trouve que c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui dans la démocratisation de la voyance. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte de ça. Pour eux, la dernière fois, sous cette vidéo, il y en a un qui me dit, oui, bah, ça va, c'est des vidéos de 30 secondes, ça va rien faire. Mais non, parce que l'algorithme, il va encore proposer ce type de vidéo. Il y a des fois des personnes qui sont dans l'attente d'un ex, même s'il a été vraiment méchant avec, et elles sont dans une dépendance affective. Et ça entretient la dépendance affective. Et ça peut mettre les personnes dans des fragilités psychologiques. Aujourd'hui, c'est pour ça que mon combat, il est là. Je veux qu'on se rende compte que la voyance n'est pas un jeu et ce n'est pas du divertissement. Souvent, on me dit, ça va, TikTok, c'est du divertissement, des vidéos comme ça. Non, parce qu'il y a des gens qui croient en ça et qui peuvent être vraiment très mal. C'est vrai qu'il y a certaines chaînes TikTok qui sont beaucoup, beaucoup vues, en fait. Oui. Moi, j'ai regardé un petit peu, je vais de temps en temps sur TikTok. Je vois plutôt des mauvaises choses que des bonnes choses. Alors, je ne sais pas si c'est l'algorithme qui veut ça ou que je tombe sur ce genre un petit peu de vidéos, mais je suis surpris que certaines personnes s'accrochent à ce moyen de consulter qui paye en même temps ou des dons PayPal ou je ne sais quelle autre forme de paiement, mais j'ai vu des choses assez bizarres ou des gens qui vont
vendre des pierres contre une voyance. On dirait qu'il y a un marché aux puces. Vous achetez les pierres qui sont magnétisées, tout ça. Et on voit les commandes qui tombent et que le voyant est en train de faire les paquets pour mettre les pierres, voilà, et qu'il dit, vous aurez votre voyance dans tous les domaines. Je suis assez surpris et même un peu scandalisé de voir ça, en fait. Et oui, en fait, c'est ce que je dis, c'est un peu la banalisation de ça. Et la dernière fois, j'ai aussi fait une vidéo où je disais aux gens, mais prenez conscience que la voyance, ce n'est pas ça. Le monde professionnel, moi qui suis dans le monde professionnel, qui connais des vrais professionnels avec une éthique et qui est aussi dans ce côté réseaux sociaux, c'est, je leur dis, ce que vous voyez sur les réseaux, ce n'est pas ça, la voyance. Voilà, c'est vraiment pas ça. Et il faut qu'il y ait cette prise de conscience. C'est aussi pour ça que je suis allée vers cette notion de réglementation, d'encadrement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut travailler avec des personnes en difficulté, en fragilité. C'est pas parce qu'on sait interpréter des cartes qu'on va être apte à le faire, en fait. Alors, on vous parlait de réglementation. Alors, vous avez alerté votre député, vous lui avez téléphoné et que la secrétaire vous a gentiment répondu favorablement et que vous avez obtenu un rendez-vous avec ce député. Alors, il faut avoir un petit peu de culot quand même pour aller poser ce genre de questions. C'est vraiment qu'on en a gros sur le cœur, parce que quand on va voir le député, ça veut dire que c'est le dernier recours, qu'on a utilisé tous les autres moyens et qu'on pense que cette personne... voilà. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec ce député de votre région ? Bah, ça s'est passé. Bon, j'étais surprise déjà parce que j'ai expliqué au téléphone à son assistant ce pourquoi je voulais le voir. Et très rapidement, j'ai eu un rendez-vous avec lui. Donc déjà, j'étais vraiment très surprise. Et donc, il m'a reçu un samedi après-midi. On est resté presque 2h30, 3h ensemble à discuter de tout ça. Et je pense qu'il a compris. Et il m'a dit, moi, voilà, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est déposer cette question à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une question écrite. Ouais. On attend la réponse du secrétaire général, il me semble. Alors, ça peut aller jusqu'à ce moment. Cette question, ça l'assimile. C'est quoi le numéro ? C'est la 6608 sur le site de l'Assemblée nationale. Si on va sur le site de l'Assemblée nationale, on retrouve cette question. Alors, je vous ai coupé. C'est pas grave. Et du coup, donc ça s'est très bien passé. Il a tout à fait compris. Alors, il y a une chose où il a été très clair. Il m'a dit, on ne pourra jamais réglementer la capacité de voyance. Qu'est-ce que c'est être voyant ? On peut simplement encadrer le côté profession libérale qui travaille avec des personnes en état de fragilité, parce qu'il n'y a aucune réglementation. Donc le but, encore une fois, et ça je dois le répéter assez souvent, le but n'est pas de prouver que la voyance existe. Moi, je n'ai pas envie de prouver que la voyance existe, parce que je ne ressens pas ce besoin-là. Je ne ressens pas le besoin de prouver mes capacités. Quand on parle de voyance, c'est aussi englober tout ce qui est art divinatoire, c'est pas forcément. C'est ça. Exactement, ce n'est pas que la voyance. Il y a, alors, même pas que le côté art divinatoire, hein, il y a toutes les professions libérales non encadrées. Donc, ça peut impliquer aussi, bah, par exemple, les thérapeutes, les coachs, hein, ça aussi, ça pousse sur les réseaux. Tout ce qui va être, bah, voilà, voyance, médiumnité, tout ce qui est, en fait, le fait de travailler avec des personnes qui sont en état de fragilité, où il peut y avoir des dérives de gouroutantisme. Alors, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais c'est un peu le mot que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent entendu de sectes avec l'association je ne sais plus comment ça s'appelle, qui, elle, s'occupe vraiment des dérives sectaires. Mais aujourd'hui, dans le milieu de la voyance, donc j'ai plus parlé de la voyance parce que c'est le sujet qui m'intéresse, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent se servir justement de la fragilité des gens pour leur dire « Ah bah, il te faut un coaching, il faut que je te fasse un suivi, il faut que je te fasse un diagnostic. » Et il y a cette espèce d'emprise, en fait. Les gens ont une espèce d'emprise sur les personnes et voilà, on en reparlera peut-être quand on parlera de la pétition. Mais oui, aujourd'hui, c'est toutes ces parasciences qu'il va falloir encadrer à un moment donné. Alors, moi, j'ai envie de dire tout ce qui va être thérapeute, etc. Je pense que c'est plutôt au milieu des psychologues, c'est plutôt au milieu médical d'encadrer ça. Mais souvent, aujourd'hui, ils sont de plus en plus voyants dans l'art divinatoire et dans la thérapie. Et dans le coaching. Pour moi, c'est un temps danger. Ouais. Donc, il y a une question qui est donc là, en suspens, mais qui va avoir
probablement une réponse dans combien de temps? 3 mois, 6 mois, C'est voilà. ça. Donc, s'il vous a reçu pendant 3 heures, c'est qu'il était intéressé par le sujet quand même. Ben, c'est qu'il a compris, en fait, Ouais. il a compris, il m'a dit, je vois en vous une personne qui a vraiment envie. Il m'a demandé aussi pourquoi. Il m'a demandé pourquoi est-ce que j'en étais dans son bureau aujourd'hui. Donc, je lui ai expliqué les raisons. Et je pense qu'il a compris, en fait. Je pense qu'il a compris pourquoi j'en étais à ça, de par mes expériences, parfois négatives, dans mon travail de voyant Ouais, c'est et pas évident voyante. de réglementer un petit peu cette activité ou ces activités comme cela, mais il y a peut-être besoin de poser un petit peu certaines règles si elles ne sont pas là. En Il faut fait, il des y avait règles. dans le temps le code pénal qui interdisait l'activité de voyant, en fait, hein, dans les années 90, qui a été changé en 1994, C'est mais ça. effectivement, l'activité a été interdite et après, elle a été tolérée du moment qu'on soit déclaré, qu'on paye des impôts, C'est qu'on paye ça, de la c'est ça. TVA, qu'on déclare ses revenus, en fait, comme une Ça. activité. Donc, voilà, donc l'État y trouvait aussi un petit peu son compte parce que le Bien marché de la sûr, voyance, c'est ça énorme. génère un gros, gros chiffre. Alors, il y a une C'est époque, énorme. il y avait l'INAD, en fait, qui existe toujours, l'Institut national des arts divinatoires, qui a tenté aussi de réglementer la profession et qui est là aussi pour aider les consommateurs face à certains abus. Pour l'instant, bon, c'est pas forcément passé grand-chose. Alors, il y a C'est une ça. pétition. Il y a une pétition que vous avez mise en ligne. Hein. Je crois C'est qu'il y avait ça. 1600 personnes ou quelque chose comme ça. Là, j'ai 3 800 personnes, Ah oui, oui, qui ont ça signé bouge cette beaucoup. pétition. Et c'est là que c'est très important, justement, cette pétition. C'est que aujourd'hui, en attendant la réponse du secrétaire, si la réponse, elle est un peu dans on met ça au placard, cette pétition, c'est important d'aller la signer. Parce que plus il y aura des signatures, plus on pourra dire, bah, regardez, il y a des gens qui ont signé cette pétition, qui souhaitent une réglementation. Donc, il faut vraiment ouvrir ce débat-là. Donc, c'est important pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ce live, même en rediffusion, aller signer la pétition. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Alors, le lien s'affiche sur l'écran, mais il est surtout en description de la vidéo sur la chaîne YouTube Guide de la voyance. C'est plus facile à cliquer. Donc, je crois qu'il faut entrer son adresse mail. On vous demande C'est votre nom, ça. prénom, numéro de téléphone éventuellement, je crois. Et puis après, vous validez. Vous pouvez Pas mettre. le numéro, je pense pas qu'il y a. En fait, vous n'êtes pas. C'est l'adresse mail qui vaut de signature, hein. Donc il y a des infos, vous n'êtes pas obligé de les On mettre. n'est pas obligé de tout Ou vous n'êtes compléter. pas obligé de tout mettre, effectivement. D'accord. Et donc, il y a tout un texte que vous avez déposé sur cela qui peut être sujet à débat, en fait. Hein. C'est Bien un sûr, premier texte, c'est un peu comme à exactement. l'Assemblée nationale, on C'est donne ça. un texte et après, il peut être modifié. Donc, il y a des propositions que vous souhaitez attirer l'attention qui est obligée. La première, c'est obliger la prévention concernant l'addiction et les arnaques éventuelles. Alors, vous pouvez C'est nous en ça. dire plus un peu sur ce sujet? Alors, déjà, il faut savoir que cette proposition, il n'y a pas besoin d'une réglementation, c'est-à-dire qu'un décret ou que quelqu'un décide au gouvernement de dire, bien oui, effectivement, il faut faire de la prévention sur les sites Internet. Bah, un petit peu comme la phrase que vous avez lue sur mon site Internet, attention à l'addiction. Vous savez, au même titre que Comme les jeux, les comme les jeux. Et c'est ce que j'allais vous dire. Au niveau des jeux d'argent, aujourd'hui, quand vous avez une publicité de jeux d'argent, attention à l'addiction, faites attention à ça, etc. Donc surtout, je pense que la prévention, aujourd'hui, ça va être notre ami. Parce que je me rends compte sur les réseaux, quand je dis, bah, faites attention aux messages privés, aux personnes qui vous demandent des transcash, etc., etc., il y en a qui me disent, ah oui, je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps. Puis il y en a d'autres qui me disent, ah, oh, ça va, les gens, ils savent que la voyance, c'est de l'arnaque, ils y vont plus. Eh bien, si, ils y vont. Et je vais vous expliquer pourquoi ils y vont. Parce que, on en revient à ce que je disais, il y en a, ils sont dans un état de fragilité. Alors, pas tous, il y en a qui ont conscience que la voyance ne va pas régler leur vie, mais il y a une partie qui est comme ça. Et je vais vous dire, moi, j'ai connu des personnes qui étaient, enfin, qui sont, d'ailleurs, voilà, avec bien installé dans la société, conscient des choses, qui se disaient, bah, moi, je me ferai pas arnaquer. Et qui ont à un moment donné dans leur vie bah, une période compliquée, une période difficile, peut-être un deuil, peut-être une séparation, qui à cet instant T ne sont pas bien.
Hein, ce n'est pas que des personnes, je sais pas, qui sont toujours en dépression, qui sont pas bien. Des fois, dans un instant T de nos vies, il fait qu'à ce moment-là, on est perdu, on n'est plus trop nous-mêmes. Donc, on fait appel à la voyance. Et si on tombe sur quelqu'un d'éthique, de professionnel, ça se passera bien. Et si on tombe sur quelqu'un, parce qu'il y a des arnaqueurs qui sont très fins psychologues, hein, pour le coup, et qui arrivent à vous avoir, en fait, hein, tout simplement. Donc, ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que la prévention, on n'arrêtera jamais assez de la faire. La prévention et un peu plus de clarté. Dans le milieu de la voyance, notamment sur les pratiques de téléphone audio-tel. J'aimerais, ça, je ne l'ai pas mis dans la pétition, mais j'aimerais que ce soit un peu plus clair aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qui Aussi. manquerait de clarté? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les prix, enfin le prix de la communication est affiché et dit en début de Bien communication. sûr. Après, c'est quoi qui manquerait un petit peu de clarté? Eh bien, Qui le en a nombre de derrière? personnes. Le nombre de. Voilà, exactement. Le nombre de personnes qu'il y a en attente. C'est-à-dire qu'il y a des gros cabinets aujourd'hui, il y a des voyants, On ne ils ont sait pas. 20. Ils ont 10, 20, 20 clients, 20 consultants en attente. Le voyant sait combien il a de personnes en attente. La personne qui est en attente ne sait pas combien il y a de personnes. Par exemple, Oui, première c'est chose. vrai. Donc déjà, ça empêcherait peut-être, en sachant que l'audiotel, il coupe au bout de 30 minutes. Donc si vous avez 20 personnes devant vous, vous savez que vous avez peu de chances d'avoir quelqu'un, donc vaut mieux raccrocher. Par exemple, Ou alors je ne voudrais pas me faire des ennemis, mais... que le système bloque un certain nombre de personnes Aussi. et que Exactement. comme il y a trop de... Dans 30 minutes, ce n'est pas possible de répondre à 20 personnes. Exactement. Exactement. De la transparence aussi, peut-être sur. Enfin, pas la transparence, enlever une notion pour les cabinets et les voyants qui s'appelle le TMC, le temps moyen de communication. Aujourd'hui, on se base beaucoup là-dessus. Alors, je crois qu'il y a des cabinets qui ne le font plus trop, mais c'est quelque chose qui existe. Donc ça, je pense qu'il faudrait peut-être l'enlever. Pourquoi savoir que le voyant, il reste un temps moyen de communication de 20 minutes? Enfin, quel est l'intérêt? Voilà. Peut-être que ça empêcherait peut-être Y le a un voyant de faire côté, parler la personne. quand on parle voyance, on pense souvent business, en fait, il y a un côté Oui. business quand même derrière, Oui, bien effectivement. sûr. Plus la personne va rester connectée, plus bien ça va compter, en fait. Voilà, et Oui. donc Mais je pense que... l'entreprise, Ouais. l'entrepreneur qui est derrière et qui recrute ses voyants, bien, il aime bien qu'il y a des longueurs de communication quand même. Bien sûr, oui. Après, moi, je pense que le business, gagner de l'argent parce qu'on fait de la voyance, oui. Est-ce que le prix du business doit être plus important que la mise en danger d'une personne fragile psychologiquement? Voilà, la question est là, tout Toujours un petit simplement, peu délicat. Alors, hein. y a une personne qui nous dit, Valérie, il faudrait aussi supprimer les plateformes de soi-disant voyants alors que c'est des arnaques. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des plateformes? Il y a différentes plateformes qui existent aujourd'hui. Oui, les plateformes en privé, carte bleue. Alors, moi, j'ai envie de répondre que un couteau, quand il est mis dans la main d'une maman qui cuisine pour son enfant, n'est pas forcément très dangereux. Il y a des risques, mais il n'est pas forcément très dangereux. Un couteau dans les mains d'une personne criminelle, il est très dangereux. Je pense que le problème aujourd'hui dans la voyance n'est pas l'outil, n'est pas la pratique de la voyance. Je pense que c'est qui sont les personnes qui sont derrière ça. Alors, je pense que, encore une fois, je ne vais pas me faire des ennemis, mais voilà, la transparence, la prévention. Je sais qu'il y a des cabinets audio-tel et même en consultation en privé qui bloquent, qui font des forfaits. Ça, je trouve que la voyance au forfait, moi, j'ai travaillé sur une plateforme de voyance, on faisait de la carte bleue en forfait. Donc, les gens, ils achetaient 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça bloquait. Ils avaient le paiement avant. Par exemple, aujourd'hui, ça c'est des pratiques qui datent quand même depuis pas mal de temps, on prend l'empreinte de carte bleue en début de consultation et on fait tourner, vu que c'est de la carte bleue, là ça coupe pas comme les Audiotel, et puis on raccroche encore une fois. La dernière fois, j'ai une abonnée qui m'a dit, elle a raccroché le téléphone, elle en a eu pour 165 euros. Et elle était tellement dans son truc, la voyante, eh ben, elle est rentrée dans un truc de psychologie. Et aujourd'hui, je pense que ce problème-là, je vais me permettre d'en parler parce que j'en parle dans la pétition. Aujourd'hui, on a une charte, il y a une charte déontologique qui n'est pas la mienne en tout cas, parce que je n'adhère pas, je n'ai pas fait adhésion à cette charte. Et il y a un passage qui me perturbe énormément où on dit le voyant peut faire un travail d'écoute de type psychothérapie. Et moi, en sachant que sur ces cabinets-là, ce sont des voyants qui n'ont pas de formation à faire ça.
Souvent, ce sont des débutants. Moi, j'ai débuté sur les audiotels, les plateformes carte bleue. Il y a des voyants qui travaillent depuis longtemps sur ces plateformes et qui ont une vraie éthique, attention. Mais je pense qu'en fait, il faut trouver la ligne, en fait. Il faut trouver la ligne. Est-ce qu'un voyant est vraiment là pour faire une consultation de type psychothérapie? Qui est un travail d'écoute, encore une fois, oui, ça peut arriver. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des personnes, j'ai eu le cas et ça m'a touché moi personnellement, des personnes qui ont dépensé des 5-7 000 euros et qui ont, dans les audiotels, chez des voyants aussi indépendants, à 10 fois en 4 mois, à 150 euros la consultation, qui se sont retrouvés endettés et qui ont fini par mettre fin à leur jour. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des problèmes d'argent, parfois, on peut aller jusque-là. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, mon vrai souci, c'est la protection du consommateur, c'est la transparence, c'est la prévention. Encore une fois, l'outil des plateformes, j'ai moi-même un numéro audiotel que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps parce qu'on me dit, bah voilà, Kalissa, votre consultation en privé, pour moi, c'est trop cher, j'ai pas les moyens. L'audiotel à 80 centimes la minute, ça fait 24 euros finalement pour 30 minutes. C'est un prix qui est plutôt correct. Bon, ce n'est pas un cabinet 24 sur 24, je vais avoir trois voyants dessus, dont moi. Et souvent, je prends rendez-vous avec des personnes. Je leur dis, bah, vous n'avez pas les moyens, appelez-moi sur mon audiotel à telle heure. Je n'ai pas beaucoup de trafic, donc il n'y a pas d'attente. Donc, je pense que les outils peuvent être intéressants. Cet outil-là peut être intéressant. Oui, Mais il faut, c'est dans la réglementation, encore une fois, dans la réglementation de la transparence. Donc, je sais qu'il y a des cabinets qui bloquent à un moment donné. Ils disent, à partir d'un certain montant, vous avez trop consulté, on ne vous reprend pas. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur un autre cabinet. Elle risque d'aller effectivement ailleurs. Donc, si Ah. cet autre cabinet a aussi la même réglementation, qui la bloque à un moment donné, il y a une forme de protection, en tout cas, si on arrive à réglementer comme ça. Alors, on parlait de tarification. Ça serait quoi les bons tarifs à pratiquer ou les bonnes pratiques en tarif? Ce n'est pas évident de trouver les bons prix parce que souvent, ça dépend du temps passé, ça dépend de la réputation du voyant, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, je ne suis pas là pour dire à tous les voyants ce qu'ils doivent faire, je le répète, hein. Oui. Voilà, je donne mes idées. Moi, en termes de consultation, moi, je ne vais pas vous mentir, je suis à 65 euros la consultation. Je ne la fais pas autant, c'est-à-dire que c'est la consultation complète. Quand la consultation est terminée, elle est terminée. Quand la personne a eu les réponses à ses questions, en général, ça dure entre 30 et 45 minutes. Des fois, je reste 1 heure, 1 heure 5. Parce que je ne raccroche pas au nez des gens. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être un peu alerté. 165 euros une consultation, ça me paraît très cher. Après, effectivement, comme vous dites, il y a la réputation, oui, effectivement, du voyant. Oui, bon, je ne peux pas juger là-dessus, en fait. Vous savez, je vois des fois une vidéo. Vous voyez, cette bouteille d'eau dans un aéroport, elle vaut 2 euros. Oui. À l'épicerie, elle vaut 50 centimes. Donc, je pense qu'il n'y a pas une valeur. Obligatoire à mettre en place là-dessus, non, voilà. Par contre, ce qu'il faut interdire, je pense, c'est la consultation d'urgence. Ouais. Voilà. Et donc, du moment que les personnes soient avisées du prix, en fait, hein, C'est c'est ce ça, qu'on c'est la disait, transparence. qu'il y a la transparence, que voilà, le prix est affiché pendant 30 C'est minutes, ça. bah, vous savez en quoi vous vous engagez, que vous Ah oui. demandez 50 euros ou 200 C'est ça. euros, parce qu'il y a des gens aussi qui demandent 200 euros Bien pour. sûr, oui. Ah, il y a des pratiques aussi comme ça, des personnes qui sont réputées, qui ont des honoraires Bien sûr. aussi importants. Donc, peu importe le tarif, du moment que vous soyez informé, parce que C'est le tarif ça. doit être clair et précis C'est ça. et sans ambiguïté. Et puis, faire attention aux voyants qui vous proposent des options, en fait, des choses un petit C'est peu en ça. plus, ou des travaux occultes pour faire, parce que souvent, il y a des personnes qui sont en détresse pour faire, par exemple, revenir l'être cher et on va appuyer pour des travaux et qui vont coûter très cher et aucun garantie de résultat, hein. C'est quoi ces travaux occultes? Parce que souvent, on parle de travaux occultes. Voilà, vous posez la. Je n'y connais rien dans les travaux occultes. Je n'y connais absolument rien. Je voulais revenir. Je reviens, excusez-moi, je rebondis parce que je voulais aller dans cette idée-là. Effectivement, comme vous dites, c'est la transparence au niveau des prix. Donc, cette pratique de prendre l'empreinte de la carte bleue avant la consultation et laisser le compteur tourner, ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Et c'est là-dessus qu'a voulu insister Monsieur le député dans interdire les types de consultations à la minute. C'est de ça qu'il parle, en Ouais. fait. Je pense Voilà. qu'on peut maintenant avoir des moyens paiement sécurisés, mieux sécurisés, que donner Exactement. ces coordonnées bancaires qui était une Exactement. pratique qui était faite à une certaine époque.
ça commence à être révolu un petit peu ce système-là, mais c'est vrai que maintenant, il y a on peut passer par un site sécurisé et C'est qu'on n'ait ça. pas ce genre un petit peu de dérive, en fait, hein. C'est ça. Après, pour en revenir aux pratiques occultes, bon, moi, je ne suis pas forcément pour. Après, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui reste de l'ordre de la croyance. En fait, tout le problème est là. Il y en a qui vont y croire, il y en a qui ne vont pas y croire. Aujourd'hui, il y a aussi cette banalisation, entre guillemets, de la magie, de la sorcellerie sur les réseaux. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a des personnes aussi, il y a des personnes dans ce milieu-là aussi qui font de la prévention, qui disent attention, il y a des choses qui ne se font pas, etc. On y croit, on n'y croit pas. Voilà. Ces personnes-là, aujourd'hui, elles peuvent aussi être aussi reconnues fiscalement. C'est-à-dire que selon le code APE qu'elles mettent à l'URSSAF, elles peuvent donner leurs prestations. C'est pas interdit aujourd'hui de faire du maraboutage. C'est pas interdit. Je vois pas pourquoi l'interdire puisque ça reste de l'ordre des croyances. Mais encore une fois, on en revient toujours au même point, en fait. Il faut réglementer ces professions libérales. Je sais que je le répète beaucoup, mais la solution, en fait, elle est là. Maintenant, et on en vient dans un point au niveau de la pétition, où je parle des pratiques de conflit d'intérêts. À un moment donné, il va Alors peut-être falloir aussi c'est le point réfléchir là-dessus. numéro 3. Alors on a C'est sauté ça. le point numéro 2, Ah oui, mais pardon. alors on va faire le point numéro 2. Alors Oui. créer une carte professionnelle ou une licence. Alors ça C'est ça. consisterait à quoi, une carte professionnelle ou une licence? Un Alors, peu comme les taxis? oui, bah, je ne savais pas trop comment l'appeler. Ouais. Bah, alors c'est vrai là, que faut. c'est dès l'instant on réglemente, c'est comme un peu les professions de l'immobilier qui ont une carte professionnelle ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, attention, là, il faut être concentré. Ouais, allons-y. Donc, la carte professionnelle, elle consisterait déjà en plusieurs points. Le premier point, c'est comment on va l'obtenir, cette carte professionnelle. Ça, ce serait le premier point. Et après, je vous expliquerai à quoi elle pourrait servir et pourquoi c'est intéressant d'avoir une carte professionnelle dans ces milieux de parascience. OK? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a oublié de le préciser, mais on peut s'installer voyant du jour au lendemain, en Ah bah fait, oui. hein, Ah bah officiellement, oui. se déclarer, en fait, si on veut le faire de Bah, façon bien sûr. officiellement, il Vous avez le suffit de code 45, c'est voyance, hein. faut remplir un truc sur l'URSSAF, un peu C'est aux ça. impôts éventuellement aussi, et puis vous ouvrez votre cabinet de voyance. Alors, ça marche ou ça ne marchera pas, mais en tout cas, on ne vous demandera rien de plus et vous pouvez Non. tirer les cartes que vous voulez ou pas les cartes ou faire ce que vous voulez, mais C'est ça. vous pouvez devenir officiellement voilà. Donc c'est pour Voyant. ça que je tenais à signaler pour Tout ceux à qui fait. nous écoutent, qui connaissent pas notre activité et qui effectivement est une porte ouverte à tout le monde. Oui, et c'est aussi c'est le même système sur les audiotels aujourd'hui, c'est-à-dire que tant que tu as ton numéro de SIRET, on prend tout le monde, hein, même si tu n'as pas Et de oui. capacité. Il y a de plus en plus de cabinets qui font des tests, voilà, il y en a de plus en plus. Donc pour en revenir à cette carte professionnelle, donc c'est comment on va l'obtenir? La première chose qui me semble très importante, c'est que déjà, on n'est pas de casier judiciaire, hein, d'escroquerie, par exemple, Et de oui, plainte pour escroquerie, c'est déjà. la base. C'est la base, c'est un peu comme le tarot de Marseille, c'est la base, voilà, pas de condamnation pour escroquerie et pour d'autres faits. Ensuite, il faudrait passer, je pense, un test d'aptitude. Encore une fois, tout ça, ce sont des propositions et c'est pas moi, de toute façon, c'est pas moi qui vais décider. Moi, je fais mes propositions et à un moment donné, il y aura des débats et on pourra faire d'autres propositions. Ensuite, donc, passer un test d'aptitude. Ce test d'aptitude, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, ce serait de dire, au même titre qu'aujourd'hui, on est capable de dire si un criminel est responsable de ses actes ou pas. Donc, si on est capable de faire ça, on est capable, avec un petit passage devant un psychologue, de savoir si la personne, elle a toute sa tête, déjà. Est-ce qu'elle est consciente que bah, ses paroles vont avoir un impact sur les gens, etc., etc. Comme aujourd'hui, quand on va faire, je ne sais pas, un agrément d'assistante maternelle, on passe des tests pour savoir si on est capable de le faire. Donc ça, ce serait le premier acte. Ensuite, le deuxième acte, ce serait, alors là, vous allez me dire qu'Alissa, vous n'êtes pas très cohérente, mais c'est très important quand même, avoir un espèce de stage. Alors c'est vrai que dans la pétition, je marque formation, mais ce n'est pas du tout le bon mot. Avoir un espèce de stage en psychologie de l'humain. Comment on va pouvoir détecter bah, une personne qui est suicidaire, que là, cette personne-là, on ne peut pas l'aider, il faut l'envoyer chez un psychologue, chez quelqu'un de plus compétent. Il faudrait d'ailleurs ouvrir un numéro d'urgence psychologique. Je pense que ce serait intéressant, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, comment on va repérer une femme battue? Aujourd'hui, une femme battue qui est violentée, qui va faire appel à la voyance, qui tombe sur quelqu'un, elle lui pose la question, comment ça va évoluer avec mon mari? Puis qu'elle lui dit, oh, bah, ça va bien aller, tout va bien se passer, qu'il ne voit pas vraiment. Elle va se mettre en attente, elle risque de rester dans cette situation-là, au lieu qu'on lui dise,
Bah non, la voyance ne peut pas vous aider. Il faut aller voir des associations compétentes, il faut aller voir la police, etc., etc. Donc, avoir des notions psychologiques pour bien faire la différence. Est-ce que là, la voyance peut aider cette personne? Voilà, moi, je ne suis pas apte à aider une personne qui est suicidaire. Moi, j'ai beaucoup aidé, enfin, j'ai beaucoup lu sur la psychologie de l'humain m'intéresse énormément. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas aider une personne comme ça. Si en consultation, j'ai une personne qui est vraiment très mal, bien sûr que je vais être dans, j'ai envie de dire, dans le conseil, mais en tout cas dans l'aide. Je vais être dans l'aide. Mais j'aurai la conscience surtout de lui dire, la voyance n'est pas pour vous. Voilà, là, on arrête la consultation. D'ailleurs, ça m'est arrivé, ça m'arrive des fois de leur dire, non, je ne vous prends pas en consultation. J'aide ces personnes-là. Donc, avoir cette notion de stade psychologique un petit peu comme les premiers secours. Aujourd'hui, on dit beaucoup, c'est important de faire les premiers secours, les premiers gestes de premiers secours. Ça ne veut pas dire qu'on est sauveteur, ça ne veut pas dire qu'on est médecin, mais ça veut dire que si à un moment donné, à un instant T, il y a quelque chose de dangereux, on va être pouvoir capable d'aider cette personne-là. Donc, ce stage psychologique dans ce sens-là, en aucun cas, je dis qu'il faut remplacer les psychologues. Et au contraire, j'arrête pas de dire que justement, la voyance doit se limiter à la voyance. Donc, avoir quand même des petites clés. Et le troisième point serait donc l'obligation de respecter une charte éthique professionnelle, je parle de charte éthique professionnelle et non pas déontologique, qui doit être réécrite, clairement, parce que celles qui sont en vigueur aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas qu'une des chartes, il y en a plusieurs, chaque cabinet peut mettre sa charte, en fait, finalement. Donc, une charte éthique qui définit les points, point par point, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Faut mettre un cadre et qu'on soit dans l'obligation de respecter cette charte. Et cette charte, je précise, j'aimerais qu'elle soit écrite par forcément des personnes du milieu, clairement, mais aussi des sociologues, des psychologues, des juristes, et d'autres personnes aussi qui se mettent dedans. Alors, il y a un point qui est interdire les pratiques de conflit d'intérêts. Troisième point. Alors, donc je n'aurais pas dû dire interdire dans ma pétition, on m'a fait cette réflexion-là, et c'est vrai, j'aurais dû Ah, dire c'est un texte discuter. de proposition, comme on disait Je tout à l'heure, qui sais. peut être modifié, y avoir de C'est nouvelles idées. ça. C'est soumis un petit peu à débat, en fait. C'est ça. Mais effectivement, j'ai dit ce mot interdire parce que je vois de plus en plus de personnes qui d'ailleurs, il y a une fois, j'ai eu une conversation dans un live avec une personne qui m'a dit, mais moi, je suis pas voyante. Moi, je fais des formations thérapeutiques. Et c'est vrai que sur TikTok, les cartes, ça marche. Donc, j'ai pris des cartes et c'est comme ça que j'attire les clients. Elle me l'a dit, mais textuellement. Et vous voyez, moi, ça, c'est des choses, ça me fait mal au cœur. Parce qu'on ne respecte pas, en fait. Nos croyances et on se sert de ça pour amener, c'est un peu l'arnaque, on va dire, universelle. Tu es voyant, ah bah t'attends ton ex, je vais te proposer du maraboutage, tu vas venir et finalement tu as dépensé 10 000 euros. Voilà. Donc c'est ça, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir là-dessus? Est-ce qu'un voyant peut être à la fois sorcier? Est-ce qu'un voyant peut être à la fois thérapeute? Est-ce qu'un voyant peut être à la fois hypnotiseur? Voilà. Alors, j'ai eu des discussions avec des personnes qui, je sais, sont très compétentes et qui sont très éthiques et qui me disent, bah moi je suis astrologue et en même temps je fais de la thérapie holistique. Je sais que ces personnes-là, elles vont pas se servir d'une matière pour aller vers une autre, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que parce qu'il y en a qui font les choses bien, bah on laisse couler et puis tant pis pour ceux qui arnaquent, ou est-ce qu'on réfléchit dessus? Et puis vous avez aussi carrément les pratiques multiservices, c'est-à-dire que là ils sont médiums, marabouts, enfin voilà. Donc peu importe votre problème, hein, il va pouvoir le régler. C'est-à-dire qu'il vous propose, il vous alpague avec la voyance. Ah ben je vois ça, vous avez des problèmes d'enfance, ah ben je fais des thérapies pour les blocages karmiques. Ah ben vous voulez parler avec un défunt, voilà. Donc un consommateur va servir sur plusieurs temps. Voilà, je m'interroge sur ce genre de pratique, vraiment clairement. D'accord. Voilà. Alors, il y avait le point 4 qu'on avait vu, mais c'était la charte. Oui. Voilà. Le point 5, interdire les consultations d'urgence. Oui, interdire les consultations d'urgence. Alors ça, c'est une pratique, j'en ai vu. Alors je pense que ce n'est pas hyper répandu, mais j'en ai vu des personnes qui disent qu'ils ont, je ne sais pas, 2, 3 mois d'attente, qui ont un prix, je sais pas, 80 euros la consultation, 50 euros, peu importe, et qui disent, eh bien, si vous voulez, si vous avez besoin d'une consultation d'urgence, donc déjà, on met la personne dans le besoin, si vous avez besoin d'une consultation plus rapide en urgence, comme par magie, pour 200 euros, bah, je vous trouve un créneau. Pour moi, il n'y a pas d'urgence à connaître son avenir.
Au contraire, une consultation de voyance, ça doit être un acte réfléchi, on prend le temps de le faire, c'est pas quelque chose qu'on consomme comme ça. Donc, pour moi, ça me pose un souci. Il faut éduquer le consultant aussi, hein, parce que souvent le Faut éduquer le consultant, consultant. il a une Mais. problématique, voilà, par exemple, il a une problématique dans son travail ou qu'il va être convoqué le lendemain, bah, il a besoin de savoir tout de suite, souvent, et qu'il fait appel à la voyance pour savoir comment ça Bien va se sûr. passer. Et voilà, donc, pas Il y a les évident. audiothèles pour ça. Oui, effectivement, Entre, il y a non, c'est un peu de plaisanterie, mais j'entends ce que vous dites. Mais aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de moyens qui font qu'on peut avoir accès à la voyance. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne chose? Je ne sais pas. Si aujourd'hui, il y avait cette réglementation, ce cadre qui était là, où on avait un minimum de professionnalisme obligatoire. Bah, effectivement, ce serait moins dangereux. Donc, j'entends. Maintenant, si vraiment il y a une urgence, si vraiment on est bienveillant, bah, est-ce qu'on peut pas trouver un rendez-vous à la personne plus rapidement sans lui quadrupler le prix? C'est des réflexions que j'apporte et qui me paraissent un peu. Effectivement, il y a pas mal de choses Et à juste, je voulais réfléchir. revenir, Stanislas, Oui. excusez-moi, je vous coupe, sur quand vous dites faut éduquer le Et consultant, parce oui. que ça, c'est quelque chose qu'on me dit énormément. Par exemple, notamment pour les vidéos un peu, voilà, où je dis que ça peut mettre les gens dans un état de fragilité, bah justement, je pense que c'est au professionnel d'avoir une bonne attitude. Moi, en tout cas, c'est mon avis, parce qu'à partir du moment où on se dit professionnel, eh ben, c'est à nous d'avoir une bonne attitude avec le consultant. Aujourd'hui, et je le rappelle, vous venez de le dire juste avant, bah, des fois, on a un rendez-vous le lendemain, on est un peu pressé, on n'est pas bien, on veut une réponse tout de suite. Quand on veut une réponse tout de suite, on n'a pas la notion de réfléchir, attends, est-ce que c'est le bon moment pour moi que je fasse une consultation? C'est un peu comme ces vidéos-là, on me dit c'est que 30 secondes. Bah, du coup, la personne, c'est à elle de savoir que c'est pas forcément vrai. Mais non, la notion de croyance, quand tu crois fort à quelque chose, bah, des fois, t'as pas tout ton esprit. Donc oui. Je ne pense pas qu'il faut employer le mot éduquer le consultant. Je pense qu'il faut informer. Il faut informer le consultant. Je Je sais pense que que c'est le mot le plus adapté. en Mais tout cas, j'entends moi, ce que vous dites. Ouais. je sais que moi, j'informe en tout cas les consultants, parce que je dis éduquer, parce que je leur dis souvent, vous achetez de la voyance comme vous achèteriez une baguette de pain. C'est vrai. Donc, voilà, c'est facile, C'est on vrai. décroche son téléphone, on appelle. Alors, surtout C'est encore, ça. c'est les numéros du hôtel, c'est encore plus simple, il n'y a pas besoin de donner C'est vrai. son numéro de carte bancaire, Exactement. mais voilà, il ne suffit pas de payer et puis d'avoir sa réponse comme cela. Donc Et souvent, les si gens... quand il appelle son audiothèque ou son consultation privée, puis qu'il a un petit message qui lui dit après, ça vous coûte 80 centimes, attention, il ne faut pas trop surconsommer la voyance. Alors je sais que quand je dis ça, ça va peut-être faire arracher les cheveux de certaines personnes, mais je pense que Non, c'est mais important c'est aujourd'hui. vrai que déjà, bah, l'audiothèque avait été réglementé à une période. Hein, on Ils ont pouvait, coupé. dans le temps, consommer de l'audiothèque, ça ne coupait pas et qu'ils ont C'est ça. fait en sorte que ça a bloqué. Donc, ça a quand même déjà Oui, avancé, mais oui. il y a Il y a encore encore du des boulot. choses, il y a encore des choses à faire, en fait. Hein. Alors, réfléchir sur les pratiques de consultation à la minute, hein, ça, on avait vu C'est ce qu'on ça tout à disait, l'heure, oui. en fait. Hein, donc, C'est ça. sur les tarifs, sur les temps moyens De de connu, consultation. voilà. Et puis encore une fois, il y a marqué le but n'est pas de prouver l'existence de l'invisible, mais bien d'encadrer cette profession qui est fait de société d'utilité publique, puisque beaucoup de personnes font appel à ces services. Un seul but de cette pétition est de protéger les consommateurs. Donc je vous invite en tout cas à Et ben je tiens à préciser, excusez-moi, que beaucoup de personnes, c'est un Français sur quatre. Un Français sur quatre, c'est 17 millions. Et le 1 sur 4, c'est selon une étude et selon les personnes qui ont osé répondre à cette question. Donc 17 millions de personnes, c'est important. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire au secrétaire général qui est censé répondre à cette question à l'Assemblée nationale, 17 millions de personnes, c'est pas rien. 17 millions de personnes, imaginons qu'ils consomment sur une année à environ 100 euros. Parce qu'on sait très bien que les gens qui consomment, ils ne vont pas faire juste une consultation par an. 17 millions, je crois que ça fait à 100 euros, ça fait 1,7 milliard, juste pour les consultations. Après, il y a tout ce qu'il y a à côté, les cartes, etc., etc. Donc, c'est énormément d'argent. C'est énormément de personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un appel officiel. C'est important d'arriver à cette réglementation.
tout cas, c'est une. Je vous ai coupé, excusez-moi. Non, non, c'est une lourde tâche. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. C'était très, très intéressant. J'espère que beaucoup de personnes ont trouvé des réponses. Alors, peut-être un petit conseil. Comment reconnaître un bon voyant? Parce que c'est pas facile. Il existe plein de sites. Alors déjà, je dirais la première chose, un voyant ne doit pas vous solliciter. C'est pas lui qui doit vous envoyer un SMS pour vous proposer une consultation ou un mail vous disant j'ai un message important. Ça, ce genre de choses, dans le temps, c'était des courriers par la poste. Mais ce genre de choses, c'est déjà une situation à éviter. Le voyant qui vous dit j'ai quelque chose d'important à vous dire, non, c'est déjà vous qui allez voir le voyant et pas le voyant qui va vous démarcher. D'ailleurs, si le voyant est bon, il n'a pas besoin de faire ce genre de pratique. Alors, quel conseil vous donneriez pour ceux qui veulent consulter un bon voyant? Alors, j'aime pas trop employer le mot bon ou mauvais voyant. Oui. J'aime bien employer le mot voyant honnête ou pas honnête. Voilà. C'est une petite différence. Parce que bon voyant, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'un bon voyant, il voit sur tout le monde tout le temps? C'est pas le cas. Donc, voilà. Donc, les conseils que je pourrais te donner. Déjà, tout ce qui est, comme vous l'avez dit, on vient vous chercher en message privé, surtout sur les réseaux aujourd'hui. Et surtout, souvent, les phrases, elles commencent par « Je suis voyante, je peux vous aider, quelles sont vos problématiques ?» Bon, déjà, là, on dit attention. Tout ce qui va être les demandes de paiement en transcash, avec des codes, etc., il faut faire très, très attention. Ça, c'est important. Ensuite, moi, j'ai un conseil à donner. Si vous voulez être sûr que le voyant voit sur vous, ne lui racontez pas votre vie. Laissez-le voir sur vous-même. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. Ensuite, oui, il faut vraiment faire attention, surtout tout ce qui est par messagerie, où on va vous demander, où vous n'arrivez pas à avoir la personne au téléphone. J'ai une dame qui m'a dit ça là, il n'y a pas très longtemps. Donc là, la personne proposait bon, un truc à 20 euros, pas très cher finalement. Elle lui dit non, non, c'est que par message. Elle voulait l'envoyer sur un autre réseau qui est Facebook pour échanger des photos, etc. Donc, surtout ça, vous faites très attention parce que souvent, après, ça peut partir en chantage, voire en menace. Ils ont toutes vos infos, le prénom de l'autre personne, etc. Ça peut partir en menace. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, parce que les réseaux, on ne va pas que dire des méchancetés dessus, parce qu'aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir voir comment la personne travaille. Donc ça, c'est quand même l'observation. Ensuite, c'est le bouche à oreille. C'est très, très important, le bouche à oreille. Quelqu'un qui vous dit, bah, moi, ça, je vais voir une voyante une fois par an depuis 5 ans, tout ce qu'elle me dit, c'est bon. Bon, vous pouvez vous dire, voilà, il y a peut-être quelque chose. Aller à la rencontre des gens, des voyants sur les salons. Je pense que la rencontre en réel aussi est une bonne chose. Hein. Le virtuel, c'est beaucoup plus sur le virtuel. D'ailleurs, qu'il y a des arnaques, il y en a aussi de temps en temps dans les salons, bien entendu. Et voilà, essayez d'observer, de prendre le temps. En fait, on en revient toujours à ça. La surconsommation n'est pas forcément une bonne chose. La voyance express n'est pas une bonne chose. Faut prendre le temps de le faire. Je comprends que c'est difficile quand on veut des réponses tout de suite à comprendre et à entendre ça, mais c'est ça qui va vous permettre d'éviter de tomber sur des personnes qui vont chercher à profiter de vous. Mmh. Voilà, donc il faut prendre le temps surtout. De s'informer sur la notoriété de la personne. Et puis, voilà, quelqu'un qui a… Et justement, excusez-moi Stanis, là, je vais rajouter juste une chose, si possible, par rapport à la carte professionnelle. Parce que c'est ça que je voulais vous dire aussi, on a dit un petit peu comment l'obtenir. Mais à quoi elle va servir cette carte professionnelle? Pour moi, je pense que cette carte professionnelle, elle devrait être donc associée au numéro de Tiret, donc à la déclaration fiscale, avec donc le numéro de carte professionnelle, qui serait associée à l'identité réelle du voyant ou du professionnel, nom, prénom, parce que beaucoup ont travaillé avec des pseudos. Donc, le nom, le prénom de la personne, le site internet associé, le numéro de téléphone associé et l'adresse mail associée. Pourquoi faire ça? Parce que si on vient dans cette carte professionnelle à en parler de plus en plus, que les consommateurs sont informés que maintenant, avec cette carte professionnelle, le numéro est associé à le numéro de carte est associé à tel site, eh bien, les gens qui vont ouvrir des faux comptes, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux comptes. On reprend l'identité d'un voyant qui a un peu d'abonnés ou même des voyants connus, on fait un faux compte et puis on se fait passer pour la personne. Donc, si les consommateurs sont informés avant d'aller voir un voyant, quelqu'un qui vient vous chercher en privé, vous dites « Ah, bah tiens, ce voyant-là, il a tel nom. Donc, c'est l'obligation, ce pseudo-là, il correspond à un numéro. On va faire sa petite recherche. » Ah bah lui, il me demande du transcash, c'est pas le même numéro. Bon, je fais attention, c'est pas quelqu'un qui est sérieux. Vous voyez, ça pourrait aussi nous aider.
Et il y a aussi un autre point très important sur les réseaux par rapport à ces faux comptes, c'est qu'aujourd'hui, si le voyant n'a pas protégé sa marque, s'il utilise un pseudo, il ne peut pas fermer les faux comptes. C'est-à-dire que si on fait pour usurpation d'identité, si on travaille un pseudo, ah oui, on présente la pièce d'identité, c'est pas notre identité qu'on prouve. Ouais. Et je me suis perdue. C'est pas sur grave. Les faux comptes, oui. Oui, sur les faux comptes. Et voilà. Et du coup, et oui. Et à moins qu'on puisse faire pour la marque. Mais si le voyant n'a pas déposé sa marque, il ne peut pas attaquer pour la marque. Donc, le faux compte, il reste et il se développe. Donc, avec cette carte professionnelle, tel numéro, les réseaux sociaux aussi, il faut qu'ils s'y mettent aussi. Il faut qu'ils soient plus investis dans cette recherche de faux comptes et qu'on puisse dire, voilà, moi, j'ai ce numéro de carte pro, ceci est un faux compte, il faut l'enlever. Donc, cette carte professionnelle, elle aurait une grande utilité dans le recensement, dans la protection du commensurateur, mais aussi la protection du voyant. Parce que moi, cette réglementation, je veux aussi qu'elle apporte un peu plus de valeur au métier de voyant. Voilà, j'ai vraiment envie de ça aussi. En tout cas, vous avez alerté votre député pour ça et qu'il y a une question qui est en suspens pour le moment et on vous invite à bien signer cette pétition. Alors, une dernière question qui nous vient, les voyants dans les salons sont vérifiés? Bien non, ils ne sont pas forcément vérifiés. On vérifie le numéro de SIRET. Ah, le numéro de SIRET, oui, voilà, effectivement. C'est l'argent, la déclaration fiscale, oui, toujours. Effectivement, que cette personne officialise légalement, voilà, normalement, c'est la seule chose qui peut être vérifiée. Alors, on va rappeler votre site formatvoyance.com pour en savoir plus sur vos prestations, sur vos ateliers avec le tarot. Donc, vous allez sur le site de Format Voyance pour avoir toutes les informations de Kalissa. Et puis, vous avez également Kalissa qui est présente sur TikTok beaucoup, Instagram, un peu Facebook de temps en temps, je ne sais pas, non ? Très de temps en temps, oui. Puis, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. D'accord. Je vais arriver avec mes petites préventions sur YouTube parce qu'apparemment là-bas aussi c'est un peu compliqué. Ouais, donc ça pourra effectivement plaire. Donc TikTok et puis la pétition que je vous affiche le lien à l'écran, mais il est cliquable directement en description de la vidéo sous la chaîne YouTube. Je vais vous rappeler les prochains rendez-vous. Alors, prochain rendez-vous, c'est avec... Marc, très grand médium, Michael Lévy. Je te fais un bisou. Michael Lévy, qui sera présent le lundi 3 avril, que vous avez eu l'occasion de rencontrer une fois lors des prédictions. Vous étiez un petit peu chamaillé un peu le chignon. Ça. Voilà, on n'est pas forcément... Bon, on ne s'est pas crêpé le chignon, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a une grande bouche, on va dire. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai coupé la parole. Je m'excuse, Michael, sur le guide de la voyance, de t'avoir coupé la parole. Mais aujourd'hui, lui et moi, on sait qu'on s'apprécie énormément. Il ne m'en veut pas. Il ne m'en veut plus, je l'espère. Voilà. On vous a pris séparément, vous voyez, cette fois-ci. La prochaine fois, vous nous prendrez ensemble. Voilà. Alors, il y aura un live qui sera présenté par Nathalie. Et donc, il nous fera ses prédictions, Michael Lévy, le lundi 3 avril à 20h. Il sera dans son pays, je ne sais plus quel pays où il est. Le Sri Lanka, voilà, en direct du Sri Lanka, comme la dernière fois. Et il nous parlera beaucoup de l'actualité politique, ce qui nous attend effectivement dans le monde. Pour ma part, moi, je vous donne rendez-vous le vendredi 7 avril avec Sylvia Jung, qui est le médium, c'est vous. C'est le titre de son livre qui va sortir le 6 avril. Donc, elle va nous parler de son livre et de sa pratique aussi des arts divinatoires. Donc, ça sera le vendredi 7 avril à 21h. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci Kalissa. Et puis, merci à vous Stanislas de m'avoir permis d'en parler. Puis c'était très intéressant. Puis moi, j'adore quand vous donnez des petits coups de gueule de temps en temps et qu'il faut faire bouger un petit peu les choses et que c'est intéressant de dire les choses franc jeu comme vous le faites. Alors, ça plaît pas, mais en même temps, c'est votre personnalité qui s'exprime. Oui, je suis taureau. Taureau, on fonce. Voilà. Merci. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.